Coucou mes petites biches. Aujourd'hui je vous retrouve pour un maquillage d'Halloween. Chaque année je fais un maquillage de squelette, crâne. J'adore ce genre de maquillage. Je suis fan de Rick Genest. Je trouve que ce mec a un charisme incroyable. Et chaque année je me replonge dans l'étude de tous ses tatouages. Et j'ai envie de refaire un make-up de crâne. Et donc au fur et à mesure des années, au fur et à mesure des différents Halloween qui passent, je fais des maquillages de squelettes. Et cette année, je me suis inspirée de plusieurs photos que j'ai vues sur Pinterest et Instagram où concrètement, le vrai visage c'est celui-là et le maquillage d'humain fond et laisse transparaître notre vraie nature. J'adore. Franchement, c'est parce que je ne me tatouerai, je pense, jamais le visage, mais si je pouvais être comme ça toute l'année, ça c'est mon kiff quoi. Je suis peut-être un peu bizarre, mais j'adore vraiment avoir cette tête. Du coup, je me suis vraiment éclatée à faire ce maquillage. Vous allez voir que c'est pas si compliqué à réaliser. La seule difficulté, on va dire, c'est de faire le trait de coulure, de maquillage qui coule. Moi, j'ai le fond de teint NYX Contrôle Total qui a cette pipette qui permet de faire ça. Par contre, attention aux yeux. Moi, j'ai fait une coulure qui partait du front et ça a coulé dans mon œil. Alors, par miracle, ça ne pique pas les yeux. Très très bien ce fond de teint, mais faites attention. Ne faites pas la même erreur que moi, partez un peu à gauche ou un peu à droite de votre œil. C'est pas parfait, parce que je trouve ça très difficile de ne pas voir la démarcation entre le fond de teint et la coulure de fond de teint. Pourtant, c'est exactement ce que j'ai utilisé, j'ai pas rajouté de couleur après sur mon visage. En tout cas, j'espère que le résultat vous plaît, et je vous laisse avec le tuto en musique. Ce maquillage d'Halloween, mes petites biches, j'espère qu'il vous plaît. Surtout, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en pensez et si vous aussi vous aimez les maquillages squelette, crâne pour Halloween. C'est vraiment mon maquillage préféré, donc fallait bien que je le fasse en 2017 aussi. N'oubliez pas qu'on se retrouve demain pour une prochaine vidéo, même si YouTuber, c'est bientôt fini. J'espère vraiment que ce mois de vidéos quotidiennes vous aura plu. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à demain.